Pour une fois encore, acteurs politiques et sociaux ont répondu présents au rendez-vous pour la grande messe de la décentralisation. Il s'agit de l'initiative La Nuit de la Décentralisation, dont la troisième édition s'est tenue ce 13 juillet 2022 à Kara. Gouvernance locale inclusive et lutte contre le terrorisme, c'est le thème de cette édition. La Nuit de la Décentralisation dans notre pays constitue une occasion pour les élus locaux et les différents acteurs impliqués dans la décentralisation de se connaître, d'échanger sur les activités de chacun, de nouer des partenariats et de récompenser les meilleurs acteurs. Elle vise à renforcer l'engagement citoyen et la synergie d'action entre les différents acteurs pour une bonne gouvernance locale au profit de tous. Aussi, la rencontre a mis en lumière l'importance de la partition des différents acteurs impliqués dans la gouvernance locale. La nécessité pour le corps social de renforcer la participation citoyenne dans la gouvernance locale s'origine dans le besoin d'exercer une surveillance et un contrôle plus rapproché sur l'action des acteurs, notamment les conseillers municipaux supposés travailler pour le corps social. Il faut préciser que la Nuit de la Décentralisation est une initiative de l'ONIJD, Initiative des Jeunes pour le Développement.